Bonjour à tous. À la une de ce journal, les sénateurs ont dit non, la justice ne devra pas poursuivre les sénateurs Augustin Matata Ponyo, Ida Kamoji, Éric Roubouillet et Alexis Tamboué Mwamba. Aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'un avion de la société Kin Avia s'est écrasé au sol ce mercredi 16 juin 2021 à l'aéroport de Kavumu dans le territoire des Kabarè, province du Sud Kivu. Selon les dernières informations, le crash est survenu vers 11h et le bilan est de 3 morts, à savoir 2 pilotes, M. Igor, des nationalités russes, et le commandant Chris, un Congolais. Il y avait aussi à son bord un passager. Ce deuxième vol reliait Bukavu à Chabunda. L'avion a donc raté son décollage. Selon les témoins, c'était un affrété des commerçants sur place à Bukavu. Bienvenue à tous. Les mesures drastiques annoncées depuis Goma par le chef de l'État pour faire face à la troisième vague de la maladie à coronavirus, clubs et discothèques fermés pour 15 jours, les couvre-feux maintenant et renforcés à 22 heures, les ports des masques obligatoires dans les lieux publics. La République démocratique du Congo compte amortir le choc de la troisième vague de la COVID-19. On écoute le chef de l'État. Mes chers compatriotes, malgré les sacrifices auxquels nous avons collectivement consenti dans la lutte contre la propagation du virus dans notre pays, il s'observe depuis quelques semaines une augmentation persistante du nombre de personnes infectées qui conduit nos experts à confirmer l'émergence d'une troisième vague. Cet accroissement rapide des cas de contamination qui se caractérise notamment par l'augmentation du nombre de personnes qui développent la maladie tout en étant hospitalisées, la saturation des lits d'hôpitaux dédiés aux patients COVID-19 et des décès que nous déplorons, nous pousse à prendre des mesures fortes pour ralentir la progression du virus. Ces mesures sont d'autant plus nécessaires en raison de la résilience de la COVID-19 et des différentes mutations qui la rendent davantage imprévisible et dangereuse, comme l'atteste la circulation du variant Delta, mieux connu sous le nom du variant indien. Ce variant, particulièrement contagieux, est responsable de la hausse du nombre de cas positifs. Mes chers compatriotes, cette troisième vague s'annonce redoutable. Nous nous devons donc de réagir avec rapidité, mais surtout avec méthode. Ainsi, après concertation avec le gouvernement, le secrétariat technique de la Riposte et la Task Force présidentielle de lutte contre la COVID-19, j'ai décidé d'instaurer les mesures suivantes avec effet immédiat, à observer à compter de ce jour et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le maintien et le renforcement du couvre-feu de 22h à 4h du matin. À cet égard, outre les points de contrôle actuels, des patrouilles de la police militaire seront instaurées. Tout contrevenant sera sévèrement puni. Le port du masque obligatoire ainsi que le strict respect des gestes barrières, dont le lavage régulier des mains à l'eau et au savon dans tous les lieux publics et l'utilisation répétée des gels hydroalcooliques. L'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes sur les lieux publics. L'entrée dans les marchés publics est subordonnée à la prise de température, au lavage des mains ainsi qu'au port du masque. L'interdiction de l'organisation des deuils et veillées mortuaires dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Les contrôles sanitaires aux postes de frontières nationaux seront renforcés. L'obligation de présenter un test PCR négatif réalisé en dehors des 72 heures reste d'application et toute entrée sur le territoire national demeure subordonnée à la réalisation d'un nouveau test PCR auquel nul ne pourra déroger. La fermeture des discothèques et des boîtes de nuit pendant une durée de 15 jours. Les restaurants resteront ouverts dans les conditions de strict respect des gestes barrières.
la gestion efficiente du personnel et le recours, le cas échéant, au travail à distance. La prise en charge sanitaire par le gouvernement de tous les cas positifs sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne les établissements scolaires et universitaires, ceux-ci demeureront ouverts à la seule condition de renforcement de l'observation des gestes barrières. Concernant les églises, celles-ci sont dorénavant astreintes à réduire le nombre de participants aux offices en fonction de la capacité d'accueil des lieux de culte et dans le respect strict des gestes barrières. L'état des sièges instauré par le chef de l'État dans les provinces du Nord, Kivu et celle de l'Ituri, l'heure est à l'évaluation. Les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a présidé hier une réunion du Conseil de sécurité provinciale à Goma avant de s'envoler pour Beni. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les rapports détaillés des opérations militaires, les détails avec Giscard Koussé, Makazo Kazadi et Tshichimbita. Sa mission de compassion et d'évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces en état de siège, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce mardi à Goma les hauts responsables des services de sécurité nationaux et provinciaux. Objectif, l'évaluation à mi-parcours des opérations militaires dans les Nord Kivu et la gestion de la catastrophe naturelle du volcan de Nyiragongo. Au sujet des opérations militaires en cours, le commandant suprême des FARDC a été édifié par les rapports opérationnels lui présentés par les chefs d'état-major général et les commandements des opérations en province. Un mois après l'instauration de l'état des sièges, les nouvelles des zones opérationnelles sont rassurantes. La puissance des feux des FARDC a déjà démantelé quelques sanctuaires des forces négatives et les opérations vont se poursuivre davantage. Le président de la République a aussi salué la bonne intervention des forces armées dans la gestion de la catastrophe naturelle du volcan de Nyiragongo. L'une des zones opérationnelles des FARDC dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo est la ville de Beni et ses environs. Ainsi qu'il l'avait promis, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé réconforter la population des Béni qui a payé les lourds tributs des attaques des forces négatives et autres groupes terroristes. Arrivé en début de soirée, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport de Mavivi par la notabilité locale très mobilisée malgré la fine pluie qui a arrosé la ville des Béni. Très préoccupé par l'essor de ses concitoyens, victimes d'attaques à répétition, le président de la République est venu par sa présence témoigner à toute sa compassion et sa détermination à en finir avec ces 100 fois ni loi. Devant la presse de Goma, le président de la République déclarait, je cite, « L'État congolais n'a pas abandonné la population des Béni et ne l'abandonnera jamais. Les forces terroristes seront combattues jusqu'à leur dernier retranchement et Béni redeviendra cette terre bénie du Grand Nord, de l'Est de la République démocratique du Congo. » Le chef de l'État poursuit sa mission de compassion et d'évaluation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu après Goma où il a réconforté les victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Kasindi en passant par Beni pour évaluer les niveaux de l'état des sièges instauré il y a peu. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions d'information. Autre chose, les députés nationaux ont déclaré recevables les rapports généraux de la commission PA agit sous examen relatif à la vérification des pouvoirs des suppléants. C'était au cours de la plénière d'hier, conduite par les présidents de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mboso Kodiampoanga, les comptes rendus avec Sylvie Moembo, Bernard Bodo et Jérémy Kiawite. Ils sont 20 premiers suppléants des députés nationaux frappés d'incompatibilité par leur nomination au gouvernement central. L'Assemblée plénière, sous la conduite du président Christophe Mboso Kodiampoanga, les admet désormais en qualité de députés nationaux à part entière siégeant à la Chambre basse du Parlement. L'option a été levée sur approbation de la plénière de ce mardi 15 juin aux conclusions du rapport de la Commission politico-administrative et juridique chargée non seulement de vérifier
leur pouvoir, mais aussi de le valider. Bien avant, l'Assemblée plénière a rejeté l'examen et vote du projet de loi portant habilitation du pouvoir au gouvernement sur l'état des sièges en seconde lecture après le Sénat. L'Assemblée nationale n'a pas clôturé sa session ordinaire comme l'exige l'article 64 du règlement intérieur et pour cause, l'état des sièges déclaré par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans une partie de la République. Kinshasa, l'épicentre de la COVID-19. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a informé les élus du peuple. Désormais, les plénières seront dans un format réduit et les gestes barrières seront de stricte application. Au Sénat, séance plénière de tous les enjeux concernant le sort des deux sénateurs, Matata Ponyo et Ida Kamoji, les sénateurs, se sont enfin prononcés. Suivez cela en images et commentaires avec Edith Chala et Sandra Nyangitabo. Les yeux de plus d'un Congolais étaient rivés sur le Sénat qui tenait une plénière prévue pour être la dernière de la session ordinaire de mars. L'intérêt était d'autant plus grand que le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle sollicitant l'autorisation de poursuivre les sénateurs Augustin Matata Ponyo et Ida Kamoji était à examiner. Un huis clos de près de 4 heures pour débattre du rapport de la commission spéciale sur la question. Le sénateur Augustin Matata Ponyo a eu le temps de s'expliquer certainement, puis vint le vote dans le verdict des urnes et sans appel. Sénateur ayant voté pour 46, sénateur ayant voté contre 49, un bulletin nul. Par conséquent, le Sénat n'autorise pas les poursuites à charge du sénateur Matata Ponyo Augustin. Les sénateurs n'autorisent donc pas les poursuites judiciaires contre leurs collègues, une décision qui sauve visiblement le sénateur Matata qui prend la parole pour la saluer et croit qu'elle permet à la vérité de triompher. Chaque sénateur a par son vote pensé à l'image que l'institution renvoie dans l'opinion. Bien avant, les différends entre Willy Bakonga et Rigen Bakonga étaient tranchés. Le sénateur Bakonga Rigen a repris son siège au Sénat. Les sénateurs ont aussi débattu sur le rapport général de l'état des lieux sur les provinces, une question qui a suscité un déchaînement total sur la gestion actuelle des provinces et les conflits qui les minent. Ce rapport a été adopté moyennant les amendements à y intégrer pour l'étoffer. Justement, en rapport avec cette plénière du Sénat, nous recevons sur ces plateaux notre confrère Edith Chala Katala qui a suivi l'élection au Sénat. Bonjour Edith Chala. Bonjour Yvette Makuntima et bonjour à nos téléspectateurs. Edith, dites-nous, comment jugez-vous les votes au Sénat? Justement, comme tout Congolais d'abord, le Sénat a prouvé qu'il pouvait bien entraver la justice congolaise. Les sénateurs ont dit non à la demande de poursuite adressée à leur chambre par le procureur général près la cour constitutionnelle. Les sénateurs se sont montrés beaucoup plus fanatiques que républicains parce que jusque-là, ils sont encore des hommes politiques qui ne visent que leurs intérêts et les intérêts de la République dont les hommes d'État doivent faire montre n'ont pas été respectés. Et que peut penser l'opinion publique? Mais justement, le Sénat renvoie une très mauvaise image dans l'opinion. Les sénateurs ont plus pensé à eux-mêmes qu'à l'ensemble de la République, à l'image que l'institution Sénat devrait renvoyer dans l'opinion. Ces Congolais qui estimaient que c'était une occasion pour les Sénats de prouver qu'ils étaient à même de faire triompher la justice, pour que les sénateurs Augustin Matata Ponyo et Ida Kamoji prouvent leur innocence devant les cours des tribunaux, ils ont préféré plutôt arrêter le processus et se contenter. En réalité, chaque sénateur a pensé à lui-même et a voulu protéger ses arrières parce qu'en livrant Matata et Kamoji, ce serait en réalité ouvrir une porte qu'il ne serait peut-être pas possible de fermer. Parce que au Sénat, comme certains le disent, il y a beaucoup qui peuvent être inquiétés par la justice. Bon, Edi, est-ce qu'il y a-t-il un avenir pour le dossier Bukangalonzo? Je crois que le procureur général près la Cour constitutionnelle ne va pas baisser les bras. Il va
attendre le moment opportun. Peut-être que demain ou après-demain, les sénateurs changeront d'avis quand ils auront rencontré leurs électeurs et que leurs électeurs leur ont dit leur désapprobation sur la décision qu'ils ont prise d'empêcher la justice de faire son travail. Peut-être qu'ils reviendront au bon sentiment. Mais en tout cas, s'il faudrait que la justice agisse, elle agira de toute façon. Edith Chala, dites-nous maintenant, le fait que les sénateurs aient voté non, est-ce une entrave à la justice? Bien évidemment, le président de la République, il est recevé il y a quelques jours, en tout cas pour ceux de l'Union Sacrée, il leur a dit que celui qui se sent innocent devrait prouver son innocence devant les cours des tribunaux, pas une occasion pour les sénateurs de refuser d'ouvrir la porte de sortie à un sénateur qui serait poursuivi par la justice. C'est donc une véritable entrave et je crois que dans l'opinion qui pensait qu'au Sénat, comme l'inspecteur général des finances l'avait dit, quand on a des casseroles, on traîne des casseroles sales derrière, on va se cacher au Sénat et cela semble se prouver dans une certaine mesure. Si la justice ne peut pas poursuivre ceux qui ont commis des gaffes, ceux qui ont des litiges avec la République, alors l'état de droit voulu par les présidents de la République est donc très à mal. Merci à toi Edith Chala pour toutes ces précisions. Merci. Poursuivons ce journal, vous le savez, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a accompagné son époux dans la province du Nord Kivu pour une visite de réconfort aux victimes de l'éruption volcanique des Nyiragongo. Denise Nyakeru Tshisekedi a effectué une descente dans différentes formations médicales à Goma. Naïcha Kiala et Charmant Lelo étaient dans sa suite. Et comme les roches transmettent difficilement la chaleur, c'est que nos capteurs n'ont pas si à résister cette chaleur. Observant de plus près ce roche résultant de la coulée de lave, le couple présidentiel a bien mesuré l'angoisse de sinistrés de la récente éruption du Nyiragongo. Plusieurs familles y avaient perdu leur logement la nuit du 22 mai 2021. La première dame de la République, qui soutient depuis l'annonce de la catastrophe les efforts du gouvernement national et provincial, s'est également associé à la mission de compassion du chef de l'État entamée il y a quelques jours dans le Nord Kivu. Ce mardi, Denise Nyakeru Tshisekedi s'est lancée dans une tournée de solidarité et assistance dans certains sites ciblés. Préoccupée par la santé de ses concitoyens, l'épouse du chef de l'État débute sa ronde par l'hôpital Keishiru. Soucieuse du bien-être de femmes et enfants, la première dame a visité les services de maternité et pédiatrie, apportant au passage une assistance en vivre et non vivre pour les malades. Et pour soulager les différentes zones de santé de la province, 2,6 tonnes de médicaments ont été remises à la division provinciale de santé du Nord Kivu. La santé de population, une préoccupation majeure autant que l'éducation des jeunes pour la première dame. Après 2 jours d'incertitude, les élèves de Goma ont finalement repris le lundi le chemin de l'école. Entre traumatismes provoqués par l'évacuation de leur ville et crainte de perdre le fil d'une meilleure instruction, ceux élèves de l'école primaire d'application de l'Institut de Goma et du lycée Amani ont reçu les encouragements de l'épouse du chef de l'État. Pour remotiver ses apprenants, la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi les a rappelé l'existence du programme Excellencia qui octroie de bourses lauréats de l'examen d'État. Excellencia, on en sait quelque chose au lycée Amani car 2 d'entre eux font déjà partie de ce programme. Celle qui a fait de la sensibilisation sur les dangers liés à la Covid-19 l'une de ses priorités n'a pas omis de prêcher les gestes barrières à ce jeune écolier. Le périple de la First Lady en soutien aux actions entreprises par les autorités dans le Nord Kivu ne fait que commencer. Vous avez reconnu la voix de notre confrère Patrick Michel Mukui. Autre chose, la ministre et pré-président de la République revient des Kikwit dans la province du Kwilu. Sur place, Nana Manwanina a sensibilisé la population de ces coins de la RDC sur la vision du chef de l'État pour le développement du pays. Les récits et déjà Gabwa Bamugu Minase Douga. En tant que ministre prêt, le président de la République avec mission d'assister le chef de l'État pour renforcer la cohésion et l'unité nationale, professeur Nana Manonina Kiumba a effectué dernièrement le déplacement de Kikwit dans la province de Kwilu. Une visite de travail et de sensibilisation auprès de la population de cette partie de la République démocratique du Congo à la vision du chef de l'État, le peuple d'abord.
Le constat est sans équivoque, car cette visite politique était très bénéfique et riche d'enseignements. En effet, au moment où profilent à l'horizon les enjeux politiques, la population s'est posée multiples questions partout où la ministre est près, le chef de l'État est passé. Il fallait donc réquinquer tous ces collégionnaires d'Augustin Kabouya en leur assurant que la RDC ne sera jamais déstabilisée et que tous les Congolais derrière Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo vont défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. Nana Manonina s'est dévé surtout de réorganiser son parti l'UDPS pour en priorité impulser la cohésion entre les combattants pour induire le soutien des garants de la nation en toutes circonstances. À Kikwit, professeur Manonina s'est essentiellement appesantie sur les diverses actions d'auto-prise en charge. Elle a salué le dynamisme révolutionnaire des combattants de Mayumbu et leur loyauté à Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Enfin, partout où elle est passée, l'accueil était très délirant en faveur de la ministre et après le président de la République. Comme les enfants d'un seul père et d'une seule mère, ses compatriotes promettent de soutenir les actions du chef de l'État et de défendre la paix et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ces jolis coups de filet pour la brigade douanière commis à l'aéroport international d'Ndjili. Ses services viennent de mettre la main sur une cargaison de cannabis et autres stupéfiants. Cédric Keninambo nous en dit long. Une cargaison d'apparence anodine, mais qui recèle près de 169 colis représentant 2832 kilos de cannabis biomasse en instance d'exportation et en plus sans déclaration à destination de la Macédoine. L'examen des documents présentés démontre qu'il s'agit d'une cargaison de 169 colis de 21 832 kilos dont l'exportateur est la firme pharmaceutique Instadose Pharma DRC SARL. Celle-ci est bénéficiaire de deux autorisations délivrées par le ministère de la Santé dont l'une des cultures industrielles et l'autre de production industrielle et de commercialisation des stupéfiants et des substances psychotropes à des fins médicales. La quantité arrivée à l'aéroport n'est qu'une partie du convoi destiné à l'exportation tel que renseigné sur les titres de transport. Un joli coup de filet des éléments de la brigade douanière de l'aéroport international d'Ndjili qui n'en sort pas sans heurts. Tenez, pour la petite histoire, un groupe de personnes non autrement identifiées a fait irruption dans l'entrepôt du groupe Bolloré, là où la marchandise de la contrebande a été entreposée pour l'embarquer dans Éthiopiane. Deux heures de lutte, d'accrochage avec les éléments de la brigade douanière ont été engagés pour qu'au finish, les colis ne prennent pas les airs. La vigilance de la brigade douanière a stoppé net les velléités de ces réseaux mafieux. Et puis au Kasaï oriental, un lot important de chanvre intercepté dernièrement par la police nationale congolaise a été incinéré. Suivez cela en images et commentaires. Intérimaire de la province du Kasaï oriental, Jeannette Longa Moussamba, a assisté ce samedi 5 juin à l'opération d'incinération de 10 colis du chanvre de 8 kilos chacun, soit un total de 80 kilos, saisis dernièrement à l'aéroport de Mbujimayi par le service de sécurité et transmis au parquet général du Kasaï oriental. Cette cérémonie d'incinération a eu lieu au terrain Mitembele dans la commune de la Kanché, en présence de la population curieuse. À cette occasion, le procureur général la cour d'appel du Kasaï oriental, Maurice Kamamana Alama, parlait ici de la saisie, de l'incinération et du propriétaire de la marchandise. Ce sont des produits qu'on a dû saisir à partir d'un bougement de l'aéroport. C'est là où je félicite les services de sécurité, les différents services qui se trouvent au niveau de l'aéroport. Alors c'est le chanvre qui est interdit, raison pour laquelle nous avons voulu les brûler, l'incinérer. Nous sommes en train de mener des enquêtes pour dénicher les acheteurs, tout comme les vendeurs. La gouverneure de province intérimaire, Jeannette Longa Moussamba, qui a assisté personnellement à cette incinération exemplaire, a transmis un message à la population pour la décourager de ses commerces du chanvre à la base du banditisme. Et tout ce que je peux dire à la population, c'est de faire attention parce que quand tu vends ces histoires à l'étranger, là où on achète, là où on amène, ça détruit aussi la jeunesse. Surtout la jeunesse, bon, il y a aussi des vieilles personnes qui font le même travail, mais il faut décourager. Ce n'est pas un bon commerce, il y a moyen de faire autre chose que s'amener à l'achat et vente du champ.
Donc on est venu priver pour montrer à la population d'arrêter ce genre de commerce. Les gens de l'aéroport, ils ont fait un bon travail, mais malheureusement, ils n'ont pas arrêté. Mais on va continuer, ce n'est pas bon. Il faut décourager ce genre de commerce. L'enfant africain est célébré aujourd'hui 16 juin sur toute la planète et ce pour commémorer la mémoire des milliers d'étudiants et des centaines de jeunes tués et blessés le 16 juin 1976 à Soweto en Afrique du Sud par les régimes de l'apartheid. Ces enfants africains y marchaient pour réclamer leur droit à l'enseignement et à l'égalité 30 ans après l'adoption de la charte. Accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants, c'est le thème retenu pour l'édition 2021. Quelle est la situation de l'enfant africain en général et celui de la République démocratique du Congo en particulier? Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force et détail. Célébré le 14 juin dernier à travers le monde entier, la journée du don bénévole des sangs a vécu en République démocratique du Congo grâce à la structure Dream Venture en une conférence débat a été organisée pour la circonstance. Journée mondiale de don de sang le 14 juin dernier n'est pas passée sous silence en République démocratique du Congo. Dans le respect strict des gestes barrières, la structure Dream Venture, que dirige de main de maître Patience Barandengue, a organisé une conférence au Roméo Golf. Sous le thème d'honneur bénévole de sang, évaluation de la déclaration de Melbourne, en présence du représentant du ministre de la Santé, Paul Djunga. Au menu, un plaidoyer du Centre national de transfusion sanguine et un panel sur l'évaluation de la déclaration de Melbourne. Avec comme panéliste le docteur Steve Makolo, médecin directeur de Sebeko Bandal, le docteur Papi Matombe, spécialiste en matière de transfusion sanguine, et maître Elodie Simiré, défenseur des patients, qui s'est clôturé par un jeu de questions-réponses. Les différents panélistes sont revenus sur la problématique du don des sangs, sur la sécurisation de la transfusion sanguine, mais aussi sensibiliser plus la population, les organisations non gouvernementales, mais aussi les pouvoirs publics à pouvoir atteindre les objectifs tels que fixés dans la déclaration de Melbourne. Occasion saisie par la présidente de Dream Venture de faire un appel de fonds aux personnes de bonne volonté, peu avant de remettre des diplômes aux fidèles donneurs de sang présents pour la circonstance. Moi, je me bats pour les droits des femmes. Je sais, par exemple, que les taux des femmes qui meurent à l'accouchement à cause du manque de sang est trop élevé. Et je le fais pour montrer aux autres qu'on doit le faire tous. On doit donner du sang pour sauver des vies. Une autre journée célébrée le 14 juin dernier, c'est celle de la lutte contre la maltraitance aux personnes de troisième âge. À Kinshasa, la Ligue des natifs congolais, née en 1960, a organisé plusieurs activités en rapport avec cette célébration. Lisette Mujinga Mutombo et Thomas Basilwa nous en dit un peu plus. Combattre toute forme de violence et toute action susceptible de troubler l'ordre public et perturber la paix, participer à la lutte contre les pandémies, c'est parmi les objectifs que s'est assigné la Ligue des natifs congolais née en 1960. Ils ont visité les hospices des vieillards de Kabinda dans la commune de Lingwala et c'est à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la maltraitance aux personnes de troisième âge. Pour ce faire, ils ont amené dans leur gibecière des désinfectants, du savon et de masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 dont la troisième vague sévit actuellement dans notre pays. Ce groupe est créé dans le but de trouver des solutions pour faire diminuer la violence sous toutes ses formes envers les personnes de troisième âge. Nous sommes natifs de 60 et nous profitons de cette occasion pour venir partager, n'est-ce pas, célébrer la journée internationale. La lutte contre la maltraitance de troisième âge avec nos frères, nos mères, nos pères, nos grands-pères, nos grands-parents qui sont aujourd'hui internés au home des vieillards que nous baptisons résidence des vieillards. Des désinfectants, des masques, ainsi de suite pour permettre, n'est-ce pas, à cette personne de troisième âge de se protéger contre la Covid-19. Pour lier l'utile à l'agréable, les membres de la LICO 60 et les vieillards ont partagé un repas et exhibé quelques pas de danse dans le strict respect des gestes et barrières contre la Covid-19.
politique, la population de la ville de Bandundu a répondu massivement à la cérémonie d'investiture du comité fédéral de l'UDPS de la ville, cérémonie présidée par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya Alambikaï. Le chef-lieu de la province de Kwilu a connu une ambiance inhabituelle ce dimanche 13 juin 2021. Les rues et les riets de cette ville ont été prises d'assaut par les combattants et les militants des partis de l'Union Sacrée, à l'occurrence à cause de Dani Banzamaloba, AVC de Didier Boudimbou, pour participer à ces rendez-vous politiques. Une marée humaine s'est mobilisée pour écouter l'émissaire politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une façon pour elle de manifester son soutien sans faille au chef de l'État. La journée a coïncidé avec l'anniversaire de naissance du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. À l'occasion, les secrétaires généraux et l'assistance ont présenté leurs vœux de bonheur et de longévité aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo, avant le passage à la cérémonie d'investiture du comité fédéral. Désormais, la responsabilité de ce comité incombe à Moïse Mosengo, avec principale mission de mettre les troupes en ordre de bataille pour les échéances de 2023. Comme ailleurs, cette rencontre s'est transformée en une tribune d'expression populaire, une occasion de plaider pour la réhabilitation de la route dans sa réplique. Augustin Kabuya a commencé par une désintoxication de la population contre toute campagne de sable menée contre les chefs de l'État et son parti. Il était sidéré de voir dans quel état se trouve la route qui mène vers Bandundu, alors que l'État a déjà débloqué l'argent pour les travaux de cette route. Et les jours où l'IGF va enquêter sur ce dossier, y aura-t-il des gens pour crier à la chasse aux sorcières, s'est-il interrogé. J'ai vécu vos réalités sur mon chemin vers ici et je vais faire rapport à qui des droits, a-t-il conclu avant d'inviter l'assistance à la soirée dansante pour célébrer 58 ans d'âge de Félix Antoine Tshisekedi. La population de Bandundu demande au président de la République la route en contrepartie de son deuxième mandat. Infrastructure, c'est un ouf de soulagement pour la population du Sud Kivu. Les gouverneurs de cette province, Théo Ngwabidje Kassi, a lancé officiellement les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 29 dans l'axe Ruzizi à la place Major 20. Suivez. Depuis une dizaine de jours, le trafic sur les tronçons routiers Ruzizi de Major Vango dans la ville de Bukavu a repris après l'intervention du gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi. L'autorité provinciale a répondu à la principale demande des habitants qui réclamaient l'achèvement des travaux de réhabilitation de ces tronçons d'intérêt stratégico-économique pour le pays. Le gouvernement provincial a décidé de confier la poursuite des travaux de modernisation à une nouvelle entreprise de grande renommée, Trabemco, ayant constaté la défaillance totale de la précédente qui n'a pas honoré les clauses contractuelles. Accompagné du vice-gouverneur Marc Malago Kachekere et le responsable du club des pétroliers, le chef de l'exécutif provincial a tenu une causerie citoyenne à bâton rompu avec les habitants de Giamba pour aborder toutes les questions relatives à la construction de cette route avant de rassurer la population quant à sa volonté ferme de parachever les travaux. Les travaux vont maintenant commencer et nous espérons que le délai va être respecté. C'est un délai, l'entreprise a parlé de 4 mois, mais nous avons mis une option d'ajouter 2 mois pour les intempéries et profiter surtout de cette période de saison sèche. Donc les 3 mois pour que les travaux avancent. C'était ça la demande de la population. Moi, le vice-gouverneur, les membres du gouvernement qui sont venus ici, on n'a pas voulu faire du forcing. On a entendu les cris de la population. Maintenant, les travaux vont se dérouler dans un rythme qu'on espère très rapide. C'est donc un ouf de soulagement pour des milliers d'usagers, notamment les petits commerçants et opérateurs économiques, dont les camions gissaient de part et d'autre de la frontière qui sépare la RDC et le Rwanda. Théo Ngwabidje Kassi s'est également rendu jusqu'au poste frontalier Ruzizi pour s'enquérir des conditions de travail des services évrants sur place, à qui il a demandé de travailler dans les rigueurs en ce moment où la troisième vague de Covid-19 est inquiétante. La dernière pluie qui s'est abattue à Kisangani, province de la Tchopo, a emporté le toit de la station provinciale de la Radio-Télévision nationale congolaise, province de la Tchopo. L'autorité provinciale est arrivée sur place pour faire les constats. Suivez.
C'est la toiture en éternite qui a été endommagée par la pluie au niveau du studio radio. Les gouverneurs de province à d'intérim et Maurice Habib Sakapela Bin Mungemba, accompagnés de la ministre provinciale de la communication et médias et des membres du comité provincial de sécurité, visitent sous la conduite du directeur provincial de la RTNC, Max César Locaté, les studios radio dont la toiture en éternite a été trouée par un projectile porté sans doute par les vents violents qui avaient soufflé pendant la pluie. L'autorité provinciale, les constats est amer. Maurice Habib Sakapela Bin Mungemba. Le même jour, le directeur de RTNC m'avait saisi pour me faire part de la situation. Nous avons apporté la première intervention, mais il a fallu que l'on passe aujourd'hui pour s'enquérir de la situation et voir quelle est la hauteur de dégâts et comment on pourra apporter là une solution durable à cette question. Et c'est pour cette raison que nous avons fait le déplacement d'ici avec tous les membres du comité provincial de sécurité. Et comme vous le savez, la RTNC, c'est l'instrument au service du peuple. Et donc, nous avons l'obligation d'attirer notre attention sur son existence et son bon fonctionnement. Avant de quitter la RTNC, le gouverneur intérimaire a visité également le studio Maman Céline Mayani qui abrite les plateaux de la télévision. La visite s'est terminée sur un briefing à huis clos dans le bureau du directeur provincial de la RTNC. Le 13 juin, date d'anniversaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est devenu un événement pour tous les Congolais, mais surtout chez les Tshisekedistes et les rassemblements des démocrates. Tshisekedistes ont rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour ses 58 ans d'âge. La 58e année de naissance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas passée inaperçue au rassemblement des démocrates tshisekedistes. Sur initiative de son coordonnateur national Sylvain Moutombo Kabinga, le comité national du RDT a célébré et commémoré cette date du 13 juin, devenue tout un événement pour tous les tshisekedistes à travers le monde. C'était l'occasion pour les membres du RDT d'exalter, de joie, en demandant à Dieu le Tout-Puissant de couvrir de toutes les bénédictions du ciel Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de file de tous les tshisekedistes, pour conduire le peuple congolais à la bonne destination. Au nom du coordonnateur national, Sylvain Moutombo Kabinga, nous souhaitons tout le peuple meilleur au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui doit aller très loin. L'effigie du chef de l'État remis au secrétaire exécutif du RDT était une façon d'inviter la présence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parmi eux. Le secrétaire exécutif du RDT n'a pas manqué de mots d'encouragement pour rendre un vibrant hommage au président de la République. Le RDT lui garantit son soutien indéfectible et en même temps, nous sommes très solidaires avec le compatriote de Goma où le président de la République est allé manifester sa compassion, son amour afin que ce peuple de Goma, ce peuple du Nord Kivu, ce peuple du Sud Kivu soit réconforté moralement. L'anniversaire s'est fait, c'est donc à juste titre que les membres de cette formation politique ont eu droit à une bonne ambiance de gaieté. De ce journal réalisé par Ramada Pokiero de Panda. Madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi dans l'entretemps. L'info continue sur la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Au revoir.